Bonjour les amateurs d'électronique. Alors il y a quelques temps, je vous ai présenté comment j'ai pu refaire un jukebox de A à Z. Si vous avez un jukebox qui est foutu à part qu'il n'y a plus de mécanique, l'électronique est morte, etc. Ou que vous avez récupéré simplement une fenêtre ou une wallbox de ce modèle ou autre, peu importe, comment j'ai pu le refaire fonctionner en prenant toutes les fonctions d'un jukebox. Donc j'explique tout ça dans une précédente vidéo. Que vous retrouvez facilement. Donc cette version fait à la fois jukebox et lecteur MP3. Voilà, donc là j'ai récupéré récemment un autre modèle. Je remercie à l'occasion Antique Jeu qui est une wallbox DEC 125 marron. Il existait en version chromée. La version marron était vraiment moche. Et la version qui m'a été donnée était en très mauvais état. Donc franchement, c'était pas un bon modèle. La version marron, ouais, c'était moche. Donc l'inconvénient, c'est que je n'avais plus du tout, toute l'électronique était foutue et le système qui permet de changer les disques, c'était mort aussi. Hein. Donc il n'y a plus grand-chose qui fonctionnait. Alors voici ce que j'en ai fait. Je vais vous montrer ça. De lumière. Voilà, donc j'ai enlevé la partie dorée qui était ici. J'ai repeint en argent et en noir mat. Et j'ai enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Si le fonctionnement de l'ensemble maintenant. J'ai mis pour cela un petit module qui permet de faire à la fois tuner FM, lecteur MP3. Et Bluetooth. Ici, sur les boutons qu'il y avait sur les côtés, ça servait à faire tourner la présentation des disques. L'ensemble était foutu, donc j'ai remis simplement une présentation fixe. Donc là, un peu ce que ça donne visuellement, quand même plus propre. Et ça me permet à la fois, donc, on peut changer les modes, de faire fonctionner sur la carte mémoire ou sur le port USB. Je peux le mettre en fonction Bluetooth, ça marche très très bien pour passer à votre playlist. La playlist donc de votre téléphone ou de votre ordinateur directement sur l'ensemble. On peut faire Post FM. Voilà, et on peut bien sûr augmenter le son. On peut zapper dans les mémoires du poste radio. Voilà. Ici, ça me permet de repasser sur une prise auxiliaire si on veut brancher un autre appareil. Voilà, et là je repasse sur le modem MP3. Voilà, je vais baisser le son. Alors, pour l'animation visuelle. Donc, ce petit clignotement sympa qui rappelle les années disco. j'ai utilisé pour cela juste des LED qui fonctionnent directement en 12 volts et qui clignotent et qui changent tout seul de couleur. Un petit adaptateur 12 volts qui permet d'alimenter à la fois le module et les LED. Voilà, un petit bricolage qui est à la possibilité de tout le monde. Vraiment très très simple. Ce principe peut aussi être adopté si vous avez un poste TSF que vous voulez restaurer et le rendre un petit peu plus moderne avec à la fois un éclairage sympa en rétroéclairage et y adjoindre donc un poste FM. Voilà, le dernier petit bricolage ici. À bientôt!